Salut les voyageurs. Nous nous retrouvons pour une étape France Passion qui clôturait finalement notre périple en Bretagne pendant l'été 2020. Alors si tu veux découvrir d'autres étapes France Passion, tu peux simplement venir cliquer ici. Cette étape France Passion, véritablement, c'est la plus agréable que nous ayons faite parce qu'on est vraiment tombé sur un couple de passionnés, en plus dans le domaine du champagne qui nous intéresse beaucoup. Dès l'étape accueil dans le menu de gauche, je laisserai la parole à l'exploitant qui est particulièrement intéressant. Au niveau du référencement, on va évidemment trouver quelque chose au niveau de France Passion, c'est comme ça que nous les avons connus. Ils ont également un site web particulièrement design, une page Facebook très active et ont été cités en 2012 dans le guide Achète des vins pour la cuvée Larme de Rosée. Brisson-Jonchère, c'est un récoltant manipulant, ce qui signifie qu'il réalise toutes les étapes de A à Z pour finir par la bouteille de champagne. Ces vignes sont plantées en Chardonnay, Pinot Noir et Pinot Meunier. Et ces différents champagnes sont le résultat soit d'assemblage, soit uniquement de cépages identiques. La cuvée des trois cépages est reconnue pour son fruité, la cuvée Chardonnay pour sa délicatesse et la cuvée Larme de Rosée pour sa tendresse. C'est en tout cas notre coup de cœur et ça l'a été également pour plusieurs revues au niveau de la dégustation. Une petite idée des prix, on est au niveau de la bouteille en les achetant à l'unité de 16,50€ à 39€ avec une grande majorité des bouteilles aux alentours de 20€. Au niveau de l'accueil, les avis sont unanimes au niveau des retours sur France Passion. Beaucoup de chaleur, beaucoup d'explications, très pédagogique. On pourrait presque dire tout, 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 vous saurez tout sur le champagne. Ce bâtiment, vous avez dit 2013 2006. 6. On a fait en mars 2006, c'est derrière. D'accord. Oui. Ici, au départ, on a fait ce bâtiment-là avec la cave en dessous. Ah. On a commencé à faire. Donc ça, c'est la machine à habiller. Hein. Mm-hmm. On va mettre les étiquettes et puis les coiffes. Ouais. Et ça, c'est une machine à carton pour mettre les scotch. Ouais. Ma femme, il y a 4-5 ans, elle a eu une tendinite. Ah oui, en force. Oui, une tendinite. Pas une tendinite, une capsulite. Ah oui, la capsule là. La coiffe. Pendant un an, on a travaillé, donc on a pris une machine à carton parce que derrière, ça nous soulage. Ça nous soulage bien. Ouais. C'est très pratique. Ça, c'est notre pressoir. Ah oui. Donc là, c'est notre pressoir, c'est un petit, hein, c'est un 2000 kg. Hein. Alors, c'est cylindrique. C'est une membrane qui, d'un côté, c'est cylindrique. Sur un côté, il y a une membrane qui est gonflée avec un compresseur qui comprime les raisins de l'autre côté. Et l'autre côté, il y a des drains tout le long. Hein, il y a 6 drains sur l'autre demi-cercle qui véhicule le jus ici. Jusque là. Donc là, puis après, on a un tuyau qui va à la cuvrée. Ah oui. Voilà, donc on met les raisins dessus. Ouais. Là, ça va se couler. Oh là là, ouais. Voilà, le jus, au départ, on a des kilos. Ouais. Le jus, il arrive ici. Là. Donc, c'est pour quantifier, hein, c'est des litres. Ouais, ouais. Mm-hmm. Parce que, bon, tout est quantifié, on met 2000 kilos, mais ça correspond à 12 hectos 25 de jus. Hein. C'est comme ça. Mm-hmm. Et ça arrive par le. Ça envoie un tuyau qui. Oui, qui passe que j'enlève, un peu, là. Hein, voilà, oui, clair, oui. Pressoir, oui. Là, on travaillait que avec des cuves comme ceci. Des cuves derrière, là. Ouais. Il y a 3 ans, on a investi un peu. On a pu, on a changé ça, on a arraché ces cuves-là qui font bien et on a racheté des cuves en inox. Parce que l'inox se travaille mieux hein, quand même. Ouais.
que les cuves émaillées. Ça, c'est des cuves émaillées. Mmh. Elles sont en bon état, hein, oui. Mais c'est plus compliqué à nettoyer, à en prendre soin. Mmh. Ouais. La bouteille, elle est plastifiée autour, ouais, le temps qu'on la tourne. C'est une bouteille qui est... C'est une bouteille qui est très fragile, parce qu'elle est satinée. Ah oui, du coup ça se raye. Elle est satinée se raye facilement. Donc il les protège parce que bon, les bouteilles elles passent dans les machines, elles passent partout. Hein. Bonjour. Bonjour. On monopolise un peu. Voilà, la vitrice, elle est là. Voilà. Les bouteilles sont à plat, on met une capsule provisoire, la fameuse capsule provisoire, et vous avez tout le dépôt, plein de dépôts. Donc là, on laisse le temps qu'il faut. Hein. Dans tous les cas, c'est comme ça. Avant d'avoir la grenade. Avec un automate neuf. Oui. Et puis voilà, ça fait 15 ans qu'on les a. Ça marche un peu. Et ça tourne toutes les 2 heures. Vous voyez, au départ, la machine, la bouteille, j'ai pas de téléphone, je peux pas vous faire voir. Tout le dépôt, il est tout long. Au départ, il est voilà, mais si on le voit un petit peu. Mmh. Je pense que ça ne fera aucun problème. Pour savoir où se trouve Bar-sur-Aube, voilà un petit peu un petit zoom au niveau de la carte de France. Donc on se retrouve pas très très loin de Paris, mais quand même. Et petit à petit, vous allez voir qu'on va se retrouver à mi-chemin entre Troyes et Chaumont. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire à peu près à 1 heure de chacun. Donc ni près ni loin de tout. Donc vous pouvez vous concentrer sur des belles balades dans les régions viticoles. Et vous pouvez surtout vous intéresser à Bar-sur-Aube. Petite ville toute tranquille, où il y a tout ce qu'il faut, des commerces, des bistrots, des restaurants, des balades au bord de l'eau. Voilà, idéal pour nous, pour une étape d'une nuit sur la route, ce qui correspond tout à fait au concept de France Passion. Nous voici arrivés à la conclusion. J'espère vraiment que le visionnage de cette étape t'a autant enthousiasmé que nous. Voilà des gens adorables. L'accueil au top, comme c'est souvent le cas dans les France Passion, mais là, tout particulièrement. N'hésite pas à t'abonner, si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, jette un coup d'œil pour trouver des contenus variés et très structurés, et à bientôt.